Bonjour, présentation du SkyPod par KSL Vapor. Qui est KSL Vapor? Bah, je vous les avais présentés avec leur première box en 80 watts. Cette fois-ci, ils nous proposent un pod. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, hop, j'ouvre un petit peu et on voit que c'est plutôt bien fourni dans l'ensemble. Alors, ils nous proposent, voilà, un petit connecteur supplémentaire au cas où s'il y a besoin. Et nous avons une notice en français cette fois-ci. Et oui, ils ont pensé à nous. Donc, ça, c'est pas plus mal. Alors, comme on peut voir, ce pod a un look bien particulier. Il reprend exactement les mêmes box en 80 watts et nous l'ont proposé en pod. Moi, ça me plaît bien, ça met un petit peu de couleur, ça change des trucs un petit peu trop sérieux et tout ça. Et connaissant cette box-là, je sais que c'est du costaud avec la 80 watts et c'est exactement la même matière qu'ils ont utilisée pour le pod. Donc vous aurez beau faire tomber ce genre de choses, la peinture ne s'enlèvera pas, la porte ne s'abîmera pas. Donc nous avons un petit câble USB pour pouvoir recharger le pod. Oui, puisque le pod nous fait exactement 1000 mAh vis-à-vis de l'autonomie. Donc oui, on a quand même quelque chose d'assez... Ouais, 1000 mAh, oui c'est bien, on va dire que c'est bien, c'est correct, c'est la moyenne. Nous avons deux résistances. Alors j'en ai déjà installé une, on verra ça ensemble comment ça fonctionne. Et utilisation des résistances du NordPod. Donc pareil, ça c'est bien, on va pas être embêté à retrouver d'autres résistances ou quoi que ce soit. Donc là nous avons une résistance à 1,2 ohm qui nous est fournie. Et nous avons une deuxième résistance à 0,6 ohm qui nous est fournie. Donc ça, les résistances, on se fera pas de soucis. On se dit souvent nouveau pod, nouveau résistance, du mal à trouver les résistances. Là, non, ça sera pas le cas. Beaucoup ont ces résistances-là. Alors, faut savoir que nous avons hop, une deuxième, si je peux dire ça, cartouche fournie avec. Ça va être pour utiliser avec d'autres matériels. Vous aurez juste à insérer ici. Et oui, ça va permettre de dépannage. Allez, je montre un petit peu cette box-là. Alors, niveau taille, nous sommes relativement très corrects. Comme vous pouvez voir, ça tient largement dans la main. Et allez, on fait un petit tour. Nous avons la prise USB pour pouvoir recharger. Ici, on va pouvoir installer, par exemple, une petite ficelle, ce genre de choses, pour pouvoir l'accrocher au cou. Et nous avons le switch qui se trouve juste ici. Moi, ce qui me plaît bien, c'est ces portes-là. Voilà, ils ont prévu de les remplacer des deux côtés, donc on va pouvoir la customiser un petit peu. Je sais qu'un de ces jours vont nous proposer des portes, par exemple si vous n'aimez pas le Joker, eh ben, on va pouvoir en mettre d'autres. Et ça, ça me plaît bien. Vis-à-vis de la cartouche, pour pouvoir l'enlever, rien de bien compliqué, il va falloir simplement l'enlever et il y a un sens pour pouvoir l'installer. Il faut savoir que le pod nous fait 2,5 ml, donc ça nous laisse largement de quoi voir avec la résistance à 1,2 ohm. Ça va être surtout à être utilisé avec du sel de nicotine. Pour pouvoir remplacer la résistance, il suffira tout simplement de tirer. On aura accès directement à la résistance et vous aurez juste à rappuyer pour pouvoir mettre la nouvelle résistance. Au niveau du remplissage, ça se fait tout simplement à ce niveau-là. Alors, voilà. Nous avons une large ouverture, comme on peut voir. Donc, on va pouvoir mettre n'importe quelle pipette à l'intérieur pour pouvoir remplir de juice. Pour remettre rien de bien compliqué, il va falloir simplement voilà, faire glisser la cartouche, fermer la porte et là, on est sûr que ça ne tombera plus. Voilà. Comme vous pouvez voir, je force, la cartouche ne s'enlève pas du tout. La porte fait bien son rôle pour pouvoir bloquer la cartouche. Je remets ma porte de l'autre côté. Et voilà. C'est prêt à être utilisé. Faut savoir que nous avons une petite LED à ce niveau-là. Alors, la lumière verte, ça veut dire que nous sommes supérieurs à 3,9 volts. Donc, c'est-à-dire quasiment chargé au maximum. Entre 3,7 et 3,9, ça va clignoter en bleu. Et rouge, il va falloir penser à recharger puisque nous sommes à 3,3 volts. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on reste appuyé pendant plus de 10 secondes, nous avons une petite protection. Ça évitera de griller la résistance. Ça, c'est pas plus mal. Il suffit qu'on l'ait mis dans le sac sans verrouiller. Et bien, au moins, ça coupera. Mon petit retour sur cette box-là. On va aller se voir en plan large, surtout pour voir comment ça va.
Voilà ce que nous donne ce petit pod dans la main de chez KSL Vapor. Donc oui, et on va aller se faire une petite barre. On fait plutôt une belle vapeur à l'intérieur. Il faut savoir que c'est un liquide en 50-50 que j'ai mis. Niveau airflow, nous sommes sur quelque chose de restrictif. Nous sommes sur du MTL. Nous ne sommes pas sur quelque chose d'hyper aérien. Mais ça envoie plutôt pas mal. Ça fonctionne bien, le switch est bien placé, on ne le cherche pas. La prise en main, je l'apprécie plutôt particulièrement, et surtout, c'est qu'on va pouvoir l'installer autour du cou si on le souhaite. Est-ce que c'est un petit pod que je recommande ? Oui, oui, franchement, je recommande. Facilité de retrouver les résistances. Costaud, vous pourrez le faire tomber par terre, il n'y aura pas de souci avec. Tout ça me fait dire que c'est un petit pod qui peut être assez sympa. Pour moi, ce pod est un complément de vape, c'est-à-dire que si on a l'habitude d'être en BF, en ATO, ce genre de choses, si on a besoin de son shoot de nicotine, on va pouvoir se servir de ça avec du sel de nicotine pour avoir son shoot. Est-ce que c'est un petit pod que je recommande ? Oui ! Oui, franchement, moi, ce que j'aime bien, c'est le visuel qui est assez fun, ça change, ça fait plaisir. On n'est pas sur des classiques, puisqu'il y a 4 versions différentes. Je sais que, peut-être... ils vont nous proposer des portes différentes pour pouvoir customiser un petit peu. Donc voilà, ça c'est mon petit retour sur ce pod. Je vais remercier Smoke Vap pour pouvoir vous présenter ce matériel-là. Sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!